Henri, il est réveillé. Joël, on est vivant. Okay. Tu vois, je te l'avais dit, pas vrai? Il est vivant, tout va bien. Tu sais, c'est Sam qui vous a vu. Vous étiez sur le point de vous tailler. Ça va, qu'est-ce qui te prend? Henri, recule, petit. Il est énervé, mais il va rien faire. T'es sûr de ça? Arrête! Joël! Il nous a abandonnés là-bas. Non, vous pouviez vous en sortir, et vous avez réussi. Mais revenir vous chercher, c'était le mettre lui en danger. Recule. Si ça avait été toi, tu serais revenu pour nous? Je t'ai sauvé. Il m'a sauvé aussi. On se serait noyé. T'inquiète pas, je vais bien. Pense ce que tu veux, mais je suis content qu'on vous ait vus. Bon, la tour radio est derrière cette falaise. Ok, il y aura plein de vivres là-bas. Tu vas être heureux de pas m'avoir tué. Hey, on va fouiller cette zone, pour voir ce qu'on trouve. C'est étendu. Ça va? Ouais. Allons chercher cette tour radio. On trouvera peut-être quelque chose dans ce bateau là-bas. Ouvre bien l'œil. Je t'ai pas attendu, petit. Pareil une fois sur l'eau. Ellie, j'ai trouvé une autre BD que t'as l'habitude de lire. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Je parie que ça donne sur l'extérieur. J'ai besoin d'un coup de main. Ok, ensemble. Allez, c'est parti. Ok les gars, go! Ok, c'est parti. Ok, vas-y. Ok. Sortez vos lampes. Sam, t'es loin. T'as enfin capté? Non! Il va falloir trouver un truc.
Joël, on devrait aller voir par là. Ok, on va aller de ce côté. J'aime vraiment pas cet endroit. Moi non plus, mais on n'a pas vraiment le choix. Si tu l'ouvres, je peux me faufiler et dégager la porte. Qu'ils vont venir avec nous, jusque chez Tommy. Ça, je sais pas. Va falloir attendre de voir comment les choses évoluent. Par ici. En direction du chemin devant. Juste là. On peut sortir par là ? Impossible d'attendre ça. Bah, je sais pas nager. Eh ben, on est deux, alors. Ok, Joël. Comment on traverse ? Faut trouver quelque chose. Eh, ce truc est sur une sorte de rail. On pourrait peut-être s'en servir. Un générateur. Attendez-la. Je peux pas l'atteindre. Tiens. Henri, essaie pour voir. Ok. Je vais jeter un œil. Monte la garde.
merde. Ouais, rien de cassé. Vas-y, Ellie. Ah, je vois. Pas bête. J'ai hâte de sortir d'ici. Regarde si ce générateur marche encore. Je sens ça. Tu crois qu'il y a des gens à l'intérieur? Peut-être. On va vraiment entrer là-dedans. On n'a pas le choix. Oh, c'est un piège sonore. Quoi? C'est une sorte d'alarme. J'entends rien, moi. Ouais, quelqu'un vivait ici. Mais on dirait que c'est plus le cas aujourd'hui. Qui voudrait vivre ici? Bah, quelqu'un qui penserait pouvoir sécuriser cet endroit. Allez, non. Oh, relax. Eh, Sam. Ouais. Oh, Henri, t'as vu ça? On évite de faire du bruit. Ouais. Désolé. Silence.
Bon, je crois qu'on sait ce qui est arrivé à ces gens. Vu qu'on est tombé sur un claqueur, ils sont partis depuis longtemps. On continue à avancer. On n'a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas d'autre. Même si j'en doute. C'est pas vrai. Hey, tu crois que ça conduit dehors? Possible. Mais c'est trop haut pour la grande échelle. Il y a peut-être un autre moyen d'y accéder. Ouais, ouais, ça va. C'est moi, j'ai dû déclencher une sorte de porte de sécurité. Henri, essayons de la soulever. Bon, c'est plutôt gênant. Ouais, c'est toujours la des même... Des claqueurs. Quoi? Et ce sale truc bougera pas. Courez, allez-vous-en. Sam, reste à côté de lui. Henri, faut qu'on bouge là. Fais bien gaffe à lui. Allez. Tout va bien se passer. Ouais, ouais, je sais. Allez, viens, petit. On va essayer de sortir de là, ok? Ok. Vous avez vu ? Restez derrière moi.
Si je cours, vous courez. D'accord. Bon, on va repartir. Ça ira. D'accord. J'ai l'impression qu'il y avait un paquet de gens qui vivaient ici. Ouais, on dirait.
Regardez cet endroit. On dirait une salle de classe. Ils n'ont pas pu se défendre. Ça, j'aimerais bien le savoir. Ils n'ont pas mérité ça. Tu crois que tu peux faire tomber l'échelle ? Ouais. Vas-y. Voilà. Bien joué, petit. C'est... On y va. Joël, c'est eux. Sam ! Oh, bon sang. On doit pas rester là. La porte est là. Éloigne-toi de la porte! Peut-être qu'on se prend ensemble. Allez! Sam! Il a réussi à passer! Il a quoi? Sam, mais qu'est-ce que tu fous? Je nous sors de là! Bon, bah, dépêche-toi! Ok, allez! Tout le monde en haut! Allez! Dépêche-toi! Hey, allez, tu vas sortir aussi. Et toi alors? T'inquiète pas. Allez, vas-y. Tiens-toi prêt! Regardez. Oh, vous rigolez ou quoi? Merci de m'avoir prévenu, les gars. Elle est où, cette tour? C'est proche. Allez, on y va. Hey. Ça va, petit frère? C'était chaud, hein? Ouais. On a connu mieux comme situation. Hé, regarde ça! Ouais, qu'est-ce que j'avais dit? Trouvons un moyen de l'atteindre. Et toi, comment ça va? Ben, comme d'habitude. Quand j'étais avec Henri, j'ai descendu quelques parties. Ouais. C'était plutôt intense tout à l'heure. Ah, ouais. Carrément.
Comment vous vous êtes rencontrés? Oh, c'est une amie, Marlène, qui lui a demandé de conduire au Luciole. Vous vous entendez bien, on dirait. Ouais, enfin, c'est surtout moi qui commande. J'ai pas raison, Joël? C'est pas une bonne idée, finalement. Des chiens. Je te conseille de pas les approcher de trop près. Ils sont pas comme ceux de la zone. Ils sont sauvages. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un marchand de glace. Un marchand de glace? Ouais, c'est Henri qui m'en a parlé. Il vendait des glaces dans le camion. Non, j'y crois pas. C'est vrai, Joël? Non, c'est vrai. Le camion passait dans le quartier. Avec cette horrible musique à fond, et tous les gosses sortaient en courant pour lui acheter des glaces. Vous êtes en train de vous foutre de moi? Non, je te jure. Waouh, ton époque était bizarre. Je te l'avais dit. On dirait un bon emplacement. Bien à faire. Ouais, ce plafond est un vrai gruyère. Attention. Ah.
trouvé un truc ? Merci. Vous avez pas faim, vous ? Si. Hé, hey, les gars, on fera une pause une fois à la tour radio. Ok. C'est la BD qu'elle aime bien lire. Hé, hey Sam. Fais attention. Ouais, d'accord. Bon, je commence. Oh. Mince. À toi. Ok. Je lance. Ouais. Et bim. Je suis trop forte. La chance. Non, c'est pas vrai. C'est que de la chance. Ok, boucle là, tu t'emballes. C'est parti. Merde ! Nul !
Bon. Match nul ? Non, tu t'es carrément fait laminer. En quoi je me suis fait laminer ? On est presque à égalité ! Ouais, d'accord. Elle était là. Ouais, on dirait bien. Comment on va les retrouver ? Je connais un gars. Mon frère, en fait. Il faisait partie des Lucioles. À ce que je sais, il était dans le Wyoming. On y va, on le retrouve, et on trouvera les Lucioles. T'en dis quoi ? Vous en êtes ? Tous ici. Non. Avant d'y aller, je voudrais que vous fassiez diversion. Je vais essayer de trouver un endroit d'où je pourrais l'atteindre. Ok. Hey, sois prudent. Thank you.
d'après vous, où que vous soyez. Dépêchez-vous. Vache, comment c'était tendu! Tout va bien, Sam? Ouais, ça va. Merci, Joël. Hé, hey, regarde ça. C'est bon. Tout va bien. On doit y aller. Très bien. Sam! Tout va bien? Ouais, ouais, ça va. Vraiment? Et j'ai dit ça va. Allez, allez! En route!
Vite, vite. Déconne. Non, je te jure. C'était l'anniversaire de Tommy, et la seule chose qu'il voulait faire, c'était louer deux Harley et traverser le pays. Ah, merde. Qu'est-ce que je donnerais pas pour en faire juste un tour? C'était comment? C'était bien, super bien. Bien? Non mais tu l'entends? Allez mec, quoi? Donne-moi des détails, décris un peu. Bon, vous savez quoi? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, Ellie. On parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai vu en rêve. Ok. Je pense qu'aucun membre de notre groupe viendra. Ouais. Le pire dans tout ça, c'est de l'expliquer à Sam. Bon, c'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la liste de la bouffe qu'on a trouvée aujourd'hui. Je vois. Et on en est où au niveau des pêches en conserve? C'est Henri qui t'envoie. Non. Pourquoi Henri m'enverrait? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. Ok. Ben... dors bien. Pourquoi t'as jamais peur? Qui t'a dit ça? T'as peur de quoi? Voyons voir... Les scorpions sont assez flippants. Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. Et toi? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients? S'ils étaient encore là, mais qu'ils contrôlaient plus leur corps? J'ai peur que ça m'arrive. Ok. D'abord, on forme une équipe, ok? On va s'entraider, et deuxièmement... Ils ressemblent peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille, genre au paradis. Tu crois que c'est vrai? Ça dépend des fois. Enfin, j'ai envie d'y croire. Mais t'y crois pas? Je crois que non. Ouais. Moi non plus. Oh! Avec tout ça, j'ai failli oublier.
S'il sait pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. Allez, je suis crevée. On se voit demain. Ça sent trop bon. Bonjour. Où est Sam? Je l'ai laissé dormir pour une fois. Hein? Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller. Ok. Sam? Sam! Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il se transforme! C'est mon frère, putain! Et merde! Merde! Ellie, est-ce que ça va? Ah ouais. Oh non. Sam? Henri? Ellie, bouge pas. Henri? Qu'est-ce que je fais, Sam? Henri, je vais te prendre ton arme, d'accord? Sam! Ok, du calme. C'est ta faute! C'est la faute de personne, Henri. Tout est ta faute! Henri! Henri, non! Oh mon Dieu!